Eh bien, autant pour la fiesta. L'un de nous va devoir rentrer là-dedans et activer ce truc. Et la personne qui le fera n'en ressortira pas. Ce n'est pas exactement comme ça que je comptais finir, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire à la courte paille? J'ai Fox, Leimir. Oh. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Mais faites vite. Qu'est-ce qu'il y a? Le personnage a lancé le purificateur. La situation est délicate. Qu'allons-nous faire? On s'est fait faire l'école des deux. Voilà, c'est l'air d'être ça. Ah, naturellement, mon immunité aux radiations fait de moi un bien meilleur candidat à la survie. Je pense que votre destinée vous attend là-dedans, mais vous avez altéré la mienne. Le moins que je puisse faire est de vous retourner la politesse. Actionnez le sas, qu'on en finisse. Alors moi je... Ah mais je suis obligé de... Mais je suis obligé de l'activer. Ah non, je peux juste... Ah oui d'accord, non, je peux faire ça. Moi j'ai pas envie qu'il meure mon pote. Il se souvient plus de ce que je lui ai dit. 777. Bizarre, il fallait qu'il appuie 3 fois, il a appuyé 5-6 fois. Là. Merci. Musique de Batman. À côté. C'est vrai aussi. Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101 pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier. Mais le vagabond solitaire ne sombra pas dans les vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. Je n'ai pas vu les Chinois. À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises du père à son enfant, abnégation, compassion, honneur, guidèrent son âme noble vers le succès. Oh, c'est beau. Le positivisme. Oh là là. Mais ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus. Le sacrifice de soi. L'enfant refusa de suivre l'exemple du père. Il laissa entrer à sa place, dans la salle de contrôle irradiée du projet Pureté, un héros digne de ce nom. Oui, mais il est pas mort, moi. Choisi par le malveillant président, le vagabond refusa de devenir un instrument de destruction. L'humanité, malgré tous ses défauts, fut jugée digne d'être préservée. Les eaux de la vie coulèrent enfin dans l'abondance et dans la pureté, pour le bien de tous. Les terres désolées de la capitale étaient sauvées.
Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de l'abri 101 pour entrer dans la légende. Quant à l'histoire de l'humanité, elle ne s'achèvera jamais, car les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre... C'est mal. La guerre ne meurt jamais. Normalement, c'est demain ne meurt jamais. Mais...